Ouais, c'est pas mal ça. Allez. Yo. Je joue ta plug à mon prog. Quoi? Je comprends rien. Bon, puisque t'as l'air un peu long à la détente, je vais t'expliquer. Je cherche à créer un petit programme principal sur mon système annexe. Ok? Pour booster le système. C'est clair. Et puis en plus, maintenant, je dois éviter les AdWords. Les ad quoi? Les AdWords. Les AdWords, c'est des petits logiciels de publicité. Tu vois ce que c'est de la pub? Ça a l'air compliqué. Oh, mais tu fais pas d'efforts aussi complexes, peut-être. Oui, certes, mais pas compliqué. Et encore, il y a aussi les malwares, les backdoors. Oh, Mike, stop, là. Quoi, stop? Mais encore, il y a les backdoors et machin. Bah oui, ça veut rien dire. Mike, on ne te comprend plus. Bon. Je vais faire un effort de vulgarisation. Un backdoor. Un backdoor, c'est une porte. Une simple porte. Mais une porte de derrière, si tu veux. Cachée à ton insu sur ton système. Un malware. Un malware est un logiciel malveillant. Un truc qui te veut pas du bien, tu vois. Caché, par exemple, dans un email ou dans une publicité qu'on appelle... Attention, attention, attention. Mais AdWords ! Je l'ai dit, il y a 20 secondes, faut suivre un peu. Ok ? Donc, seul le malware du AdWords a accès au backdoor. Donc, pour résumer, je peux pas y avoir accès alors que je suis sur mon propre système. C'est pourtant simple, non ? Quelqu'un a un décodeur, s'il vous plaît ? Mike, on ne te comprend plus. Mike, on ne te comprend plus. Hé, Mike, on ne te comprend plus. Oui, mais c'est bon, je suis pas sourd. Ça va ? Mike, on ne te comprend plus. Ah, oh, ok. Mike, on ne te comprend plus. Mike. On ne te comprend plus. Ah, Mike, on ne te comprend plus. Mike, on ne te comprend plus. On est encore pour longtemps. Oui. Mike. Vous dans la salle, dites-le avec nous. Mike, on ne te comprend plus. Oui, ben c'est bon, j'ai entendu. Gosh!
c'est pas mal ça. Allez.